Herzlich willkommen hier auf dem Hofgut Ringolzhausen. Wir veranstalten heute hier den ersten Praktikertag rund ums Milchvieh. Je vais vous présenter le fonctionnement de la méthode Obsalim. Obsalim, c'est une méthode d'observation des animaux dans le détail, de différents organes, pour comprendre comment fonctionne la digestion de la vache ou la digestion du ruminant. Je faisais beaucoup de calculs de rations numériques et je trouvais qu'il y avait des situations où les calculs ne représentaient pas exactement la réalité. C'est-à-dire j'avais des troupeaux qui s'adaptaient à des rations et ne donnaient pas les calculs prévisionnels des rations. D'un autre côté, je suis homéopathe de formation, donc j'ai l'habitude de regarder beaucoup de détails et j'ai réussi à mettre en lien les détails collectifs que j'observais et les défauts de calcul de la ration et les défauts de résultats de la ration. Et petit à petit, avec des éleveurs, pendant une vingtaine d'années, on a sélectionné tous les symptômes et l'aboutissement, c'est la méthode numérique avec le jeu de cartes ou l'appli téléphone, quoi. Mais on va faire une démonstration. Pour pratiquer Obsalim, on va regarder l'ensemble des animaux ici présents et trouver les symptômes collectifs, des symptômes de détail. Sur ce troupeau, comme symptôme collectif, on a des poils qui se redressent au-dessus de l'échine. On a aussi des yeux avec un petit peu de gonflement ou d'œdème. La vache ici a les paupières très enflées, il y a une petite rétention de liquide dans les paupières. Sa voisine aussi, elle a du mal à ouvrir l'œil tellement la paupière est lourde. Et ensuite, en troisième symptôme, les vaches ont un comportement ralenti, comme celle qui est le long de la barrière, là, qui ne nous regarde pas trop. Chaque symptôme n'a pas un sens particulier, mais c'est l'assemblage des symptômes qui va nous permettre de décoder. On fait l'assemblage de ces symptômes avec les cartes. Donc on a fibre de 2 cm. Lenteur, œdème des paupières et échine ouverte ici, les quelques poils qui sont redressés. Donc si on fait l'assemblage, on a comme résultat en énergie fermentescible, c'est-à-dire énergie du rumen, moins 2, donc un léger déficit d'énergie. Énergie globale, énergie au niveau de la vache, moins 1. Donc on est toujours négatif, donc les vaches sont un petit peu en déficit énergétique. Azote au niveau de la panse, on a moins 4. Donc on a un fort déficit azoté. Et le reste, azote de la vache, moins 1, c'est correct. Fibre fine, plus 1. Fibre de structure, plus 2. Et stabilité ruminale, moins 1. Donc là, la vache a beaucoup de fibres. C'est les critères excédentaires et un déficit de matière azotée. Effectivement, on voit qu'elle mange du fourrage sec fibreux et la pâture, à l'heure actuelle, manque de matière azotée. Donc voilà la photographie du troupeau à l'instant, aujourd'hui. On a un déficit de matière azotée sur des vaches qui mangent un fourrage un peu dur en complément de la pâture. Donc une fois que le diagnostic est établi, avec l'éleveur et en fonction du stock, on peut décider de corriger ou non la ration. Et dans le cas aujourd'hui, si on a de la matière azotée, par exemple, dans le stock de fourrage, on pourrait changer ce type de fourrage très fibreux en un fourrage un petit peu plus azoté pour valoriser l'herbe qui est consommée par les animaux. Donc Obsalim, c'est une méthode qui permet de faire son autocontrôle pour la ration, c'est-à-dire que l'éleveur tout seul, soit il peut prendre un seul symptôme pour suivre son troupeau, mais l'idéal c'est qu'il sache prendre le groupe de symptômes sur 3 organes et il fait ses autocontrôles une fois par semaine par exemple. Et en 2 ou 3 jours de formation, normalement les éleveurs arrivent à être autonomes dans la plupart des cas. Also was mich an Obsalim als praktische Landwirtin wirklich sehr überzeugt, ist einfach, dass ich tagesaktuell am Tier sehen kann, wie es um den Stoffwechsel steht. Das kann keine andere Analysemethode. Entweder versuchen wir in die Zukunft zu schauen mit der Futteranalyse oder wir versuchen die Vergangenheit zu analysieren durch die Milchleistungsprüfung. Und Obsalim sagt mir einfach, da sagt mir das Tier an dem Tag, wie es steht. Und ich sag mal, in der alltäglichen Fütterung hat es einiges verändert bei mir.
Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, den Tieren praktisch die Wiederkaupausen zu ermöglichen. Das heißt, bei Opsalim wird das gerne so ausgedrückt, fressen ist sozusagen das Einkaufen und Wiederkauen ist Kochen und Essen. Und wenn wir unsere Tiere immer nur extrem viel einkaufen lassen, dann quillt irgendwann der Kühlschrank über und sie kommen überhaupt nicht dazu, das mal zu kochen und zu essen. Und das heißt mit anderen Worten, dass die Futterverwertung total schlecht ist. Und da gibt es ja bei Opsalim auch dieses Instrument des Mistauswaschens, wo dann sozusagen die Höhe des Mistkuchens von dem, was unverdaut im Mist nachher übrig bleibt, zeigt im Prinzip, wie die Futterverwertung war. Und da hatte ich mal ein Erlebnis, zwar im Sommer, eigentlich haben wir Vollweide, aber es hat dann zu wenig geregnet, war zu trocken, wir konnten nicht auf die Weide, haben im Stall Kleegras gefüttert. Und ich war gefühlt eigentlich nur am Eingrasen. Viermal am Tag bin ich losgeheizt zum Eingrasen und nur am Gras ranschieben und machen und tun. Und dann kam Bruno und wir haben Opsalim gemacht. Und ich hatte einen extrem dicken Mistkuchen, 25 mm. Und dann hat er gesagt, so, du holst jetzt nicht viermal am Tag Kleegras, sondern nur noch zweimal am Tag. Fütterst das zur Hauptfutterzeit, also sprich morgens und abends. Okay, dann habe ich das gemacht. Bin nebenbei fast gestorben, weil ich jetzt nur noch die Hälfte gefüttert habe und immer dachte, das kann nicht gehen. Den ganzen Tag kein Futter ranschieben. Habe es aber durchgezogen und nach 4 Tagen wieder Mist ausgewaschen. Und das Resultat war, dass sich der Mistkuchen um 50% verkleinert hat. Und man kann auch sagen, um 50% bessere Futterverwertung. Ich habe 50% weniger gefüttert, habe meinen Tieren quasi Zeit zum Kochen und Essen gelassen. Und das Ganze bei gleichbleibender Milchmenge. Und das sind dann wirklich so Schlüsselerlebnisse, wo man dann kapiert, okay, diese Methode taugt was.